Bonjour à tous, j'espère qu'en ce dimanche matin, tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 10 mars et hier en rentrant du travail, j'ai eu le plaisir de recevoir un petit courrier. Donc c'est une vidéo boîte aux lettres du cœur. Bon, je savais que j'allais avoir un colis, je sais ce que c'est. En fait, c'est ma chère abonnée Pascale Civray, voilà, qui me suit pour ainsi dire depuis le début de ma chaîne, qui est une personne extrêmement généreuse avec les gens qu'elle apprécie. Voilà, elle gâte plusieurs youtubeuses, dont moi. Et quand on lui fait des petits cadeaux, en contrepartie, madame, elle grogne parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas faire, elle fait pas ça pour ça. Mais vous inquiétez pas, quand on lui envoie quelque chose, elle est quand même contente. Donc, ma petite Pascale a voulu me faire plaisir et m'a offert un point de croix. Alors, j'ai ouvert le paquet et j'ai eu une drôle de surprise parce que dans le paquet gris. Alors ça vient, je crois, de chez AliExpress. Dans le paquet gris, figurez-vous, voilà, mettre à côté, que j'ai retrouvé un deuxième paquet gris. Donc je pense qu'il a dû y avoir un contrôle en douane. Et excusez-moi du mot, hein, mais ils se sont pas fait chier. Au lieu d'aller ouvrir du côté où, vous voyez, ça s'ouvre comme ça, tout simplement, et ça se referme, bah, ils ont été coupés ici. Voilà, ils se sont pas emmerdés, hein. Bon, c'est pas grave, j'ai des pochettes plastiques là de chez Noz, de chez Action, enfin j'ai tout ce qu'il faut, mais bon voilà, ils ont dépouillé l'emballage, c'est franchement pas cool. Donc c'est pour ça qu'ils ont été remettre un deuxième truc. Alors, on y va. Donc, dans ce colis, on reçoit déjà trois papier. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Voilà. Donc, déjà d'une, on reçoit la feuille de présentation. Et ce point de croix, il est très original. C'est absolument pas le thème que je choisis d'habitude. Mais j'ai trouvé l'image super belle. Je sais pas, j'ai l'impression, ça m'a donné tout de suite l'impression d'une ville du Costa Rica. Voilà. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est les couleurs qui font ça ou pas, mais j'ai trouvé l'image très belle, cette grande avenue comme ça et cette femme drapée d'un foulard ou je sais pas, elle a un espèce de châle qu'elle doit certainement porter un peu sur ses épaules et qui a glissé sur sa main. Elle est très floue comme image, mais je sais pas, elle ressort un truc, mais je la trouve très belle. Donc, par contre, il n'y a pas intérêt à avoir un problème de couleur, parce qu'ils ont quand même une drôle de façon. J'ai peut-être un peu trop zoomé là. Hop, oui, coucou, c'est moi. Ils ont une drôle de façon de vous envoyer le diagramme. Le diagramme là, pouf, il est coupé en deux. Alors, vu qu'ils ont fait ça que sur une feuille puis qu'ils l'ont plié, ils auraient pu faire l'image en une fois. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Mais la toile a fait 38 par 48. Je trouve le diagramme un peu petit quand même. Hein. Bon, c'est lisible. Mais c'est un peu petit. Hein. Ils exagèrent un peu. Il y a certains vendeurs, même avec les partenariats, je trouve que au niveau des diagrammes, franchement, c'est pas terrible. Heureusement, 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 on a l'habitude. Alors, ensuite, on reçoit une feuille avec toutes les couleurs. Alors là, figurez-vous que j'ai jamais eu ça. Et j'ai eu un énorme doute parce que sur la toile, il y a marqué qu'elle est en 20 couleurs. Ici, j'ai une table des matières, voilà, avec 20 couleurs. Et quand je prends ça, là, je vois quoi? Je vois le nombre 24. Là, je me dis, il y a un truc qui est quand même bizarre, il y a quand même 4 couleurs de plus. Puis bon.
J'ai dit à Pascal, il y a un truc qui me choque quand même, faut que je check les couleurs et puis je reviens vers toi après. Et en fin de compte, c'est une organisation de fil un petit peu bizarre. Alors, je vous ferai voir la toile après. Je suis partie sur les fils, donc je reste sur les fils. Alors, c'est des couleurs très, très, très automnales. Donc, c'est pas une toile que je vais faire tout de suite. Pascal doit bien se douter que pour l'instant, je suis dans mes événements salle du Nouvel An chinois. Et là, je vais en salle en préparation pour le printemps qui commence là le 20 mars, dans 10 jours. Donc, cette toile, je sais pas si Pascal elle l'a commencé, parce qu'elle a la même en fait, mais en fil de soie. D'ailleurs, elle m'a fait rire parce qu'elle a grogné, elle pensait qu'elle était en fil de soie aussi pour moi, puisque je connaissais pas, et en fait c'est du coton, mais c'est pas très grave en soi, hein, ça me dérange pas. Hein. J'aurais bien l'occasion un jour d'en faire en fil de soie, et en plus. Il faut de la cire ou il faut du savon de Marseille pour que les fils glissent bien et j'en ai pas. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, les fils sont livrés sur des petites cartonnettes déjà toutes prêtes. Alors, vous voyez les couleurs. Donc là, vu avec le dessin, hein, mais ce sont vraiment des couleurs automnales. Hein. Donc, Pascal, si tu as commencé la tienne et que tu es d'accord, bah, écoute, tu la ranges dans un placard, tu la mets en attente. Et on la commencera toutes les deux pour l'automne. Donc ça va être septembre. Ouais, je crois que automne c'est septembre, je crois. Un truc comme ça. Et moi, je suis complètement décalée avec les saisons. Ouais. Septembre ou octobre, je ne sais plus. Après, si tu veux continuer la tienne, tu la continues. Mais tu sais très bien que tu peux me joindre par Messenger. Donc tu me dis si tu veux qu'à partir de l'automne prochain, on se fasse un petit duo. Mais je peux pas la commencer maintenant, tu le sais bien. Alors, donc, les couleurs. Donc, ils voulaient mettre sur des cartonnettes comme ça. Ah, moi, je trouve ça génial. Il n'y a pas besoin de faire d'organisation. Par contre, sur quelle couleur je peux vous faire voir ça? 28. Bon, ça c'est les mêmes. Je vais trouver, puisqu'il y en a. Ça, c'est les mêmes. Là, il n'y en a qu'une. Ah, voilà, on voulait une. Alors, attendez. Hop. Je vais vous faire voir parce que si ça vous arrive, faut pas faire comme moi, faut pas paniquer. Ça sert à rien. Vous verrez que le problème est vite résolu. Alors, je ne sais pas chez quel vendeur elle a eu ça. Mais ils ont de drôles de façons de faire leur truc. Alors, vous prenez par exemple la référence. Là, on va zoomer un peu quand même. Là, vous avez la référence M498. Et en dessous, il vous marque C2. Donc, on prend l'eau au départ, on fait pas gaffe, on regarde, ok, M498, on se retrouve avec quatre petites bobinettes, couleur identique, bien sûr. On cherche M400, oui, 498. Moi, je descends comme ça, je vois la première, et là, je fais, oups, il en faut une, et j'en ai quatre. Puis, je descends. Et je vois M498, il en faut 3. C'est bizarre ça. Et ensuite, je réalise que sur leur check, en fait, alors je ne sais pas pourquoi, hein, ils ont 498 C12 et 498 C2. Un total de 4 bobinettes. Et effectivement, on a 3 bobinette 498 C2, voilà, et une quatrième en C12. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. C'est exactement le même bain de couleurs. En plus, voyez que sur la toile, donc,
498 en fait, ben, j'ai qu'une seule couleur, vous voyez, j'ai pas du C12 et du C2, j'ai qu'une couleur. Alors pourquoi ils font ça, j'en sais rien, mais franchement ça induit un peu en erreur, hein, parce qu'ils m'ont fait exactement la même chose pour le 310, pour le 433 et pour le 300, pour le 938. Ils ont une drôle de façon de faire leur truc, hein. À quoi correspond C2 et C12, j'en sais rien. Attendez, mon neurone vient de se mettre en route. C2, deux fils. Deux fils. Deux fils. Donc j'en ai 3 en C2, donc avec deux fils. Et si ma logique est bonne, donc C12 voudrait dire que j'ai... Ah ! Descends là-dessus, toi. J'ai 12 fils. Eh bien, écoutez, je contrôle ça tout de suite. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, ok. Alors, pourquoi faire ça? Je sais pas. Je vous dirais qu'à la rigueur, je vais pas m'encombrer ces trois-là. Je vais mettre tout le monde sur une. Hein, parce que, je vous dis, ils m'ont fait ça une, deux, trois. Ils m'ont fait ça trois fois. Alors, pourquoi 3 fois 2 et 1 fois 12? Mystère et boule de gloom, je ne sais pas. Mais bon, si ça vous arrive, voilà, si vous n'êtes pas au courant du truc, sachez, hop là, sachez donc que si vous êtes en C12 sur la petite cartonnette, vous avez 12 fils. Et si vous êtes en C2, vous avez 2 fils. Et peut-être qu'il existe après 3, 4, 5, j'en sais rien, mais moi c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc là, en fait, le chiffre qui est là, c'est exactement le même. C'est carrément la référence de la toile. Et après, alors, c'est écrit en chinois. Alors, est-ce que c'est le nombre de fils que l'on va utiliser ou pas? Peut-être, je suppose. Mais je ne parle pas encore chinois. Voilà. Bon, la feuille explicative, hein, ça, c'est pas compliqué. Quand on brode en deux brins, on prend deux brins. Alors, je fais un petit peu de détails parce que j'ai des nouveaux abonnés. Il y en a qui ne savent peut-être pas. Donc, quand vous avez ça, hop, voilà, quand vous avez ça, ça s'appelle un fil. Et un fil est composé de 6 brins. Et c'est pas facile à voir. Voilà. Il y en a 6 dessus. Donc, quand on vous propose une toile en 11 CT, comme c'est précisé ici, voilà, on vous dit d'utiliser 3 brins. Donc, sur le fil, il faut que vous en retiriez 3. Voilà, on vous le dit, hein, qu'un brin, un fil est composé de 6 brins. Donc, pour le 11 CT, il faut que vous en preniez 3. Pour le 14 CT, il faut en prendre que 2. Voilà. Bon, le truc est quand même pas mal expliqué. Hein. C'est... ouais, donc je suis en train de regarder. Ça, c'est même pas la référence de la toile. La référence de la toile, elle est là. Et ça, bah, je ne sais pas ce que c'est. Un check à eux, je ne sais pas. Là, j'ai une étiquette qui correspond à ça. Je ne sais pas, c'est sûrement un truc à eux. Hein. Et alors pour qui, pourquoi, je sais pas. Ils m'ont foutu deux réglettes. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait exactement la même chose. C'est des réglettes en carton, toutes simples. De 1 à 64. Voilà. Et pourquoi ne pas les avoir mis sur des bobinettes? Ils m'ont mis séparément les échevettes. Voilà. Comme ça. Parce que c'est la même ça. Non. Voilà.
J'ai cinq couleurs hein, qui m'ont laissé comme ça en échevette. Bah, je vais être obligée de les mettre là-dessus, je ne vais pas avoir le choix. Hein. Ou alors il faudra que je recrée des bobinettes, c'est très facile à faire. Alors, je mets ça là. Ensuite, ils vous fournissent un kit. Alors là, par contre, le kit, il est vachement complet. Je ne vais pas vous le sortir, hein, vous avez l'habitude. On a un anneau protège-doigts. On a un enfil aiguille, comme ceci, en fer, avec le passe-chat pour du 14 et pour du 11 CT. Là, ils ont mis cinq aiguilles et ils m'ont rajouté un découvite. Voilà. Un découvite, c'est pas compliqué, hein. Là, la petite pointe qui est là. Si vous avez fait un point qui n'est pas bon, vous passez cette pointe-là sous le point et là, au bout, c'est très coupant. Ça vous coupe votre point, vous n'avez plus qu'à l'enlever. C'est très utile aussi quand on fait de la couture, qu'on veut défaire des ourlets pour en refaire. Voilà, c'est pour défaire des coutures, ça s'appelle un découvite. Et c'est très pratique. Un petit kit bien complet, c'est pas mal. Et donc la toile. Alors par rapport au dessin, au départ la taille, je me suis dit, ça me paraît un peu petit, mais en fait non. Elle fait 38 par 48. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie ou une fausse. Ah non, c'est une fausse. C'est une fausse. C'est une 29,2. Donc pour 38. Ouais, il manque presque 10 cm. Et pour 48. Donc là, on est à 30. On est à 40. Il manque 8 cm. Et je suis sûre et certaine que les 8 cm, on doit avoir 4 de chaque côté. Ouais. Exactement. En fait, c'est la toile en totalité qui fait 38 par 48. Et donc le dessin fait 30 par 40. Voilà. Donc au départ. Pascal m'avait dit, bah pourtant c'était marqué 30 par 40. Mais oui, ma petite Pascal, tu as raison. Le dessin par lui-même fait bien 30 par 40. Voilà. Alors, c'est une toile qui est vachement raide. Hein. Donc, à force de la travailler, voilà, on la roulotte un peu, on la maltraite un peu. Hein. Ça les ramollit, ça les abîme absolument pas. Voilà. Elle n'est pas surjetée. Oh, parce qu'elle a de la chance, elle a une machine à coudre. Elle a surjeté la sienne à la machine à coudre. Moi, je le ferai à la main. Au niveau de l'impression, c'est super bien imprimé. Ah ouais, franchement, ouais, non, l'impression, elle est parfaite. Hein, vous voyez, même si le diagramme papier, il est un peu pourri. Ouais, non, non, elle est super bien imprimée. Hein. Y a pas plus de confetti que ça, en fait. J'étais un peu hercule par rapport au diagramme. Mais en fait, non, on peut travailler par zone ou par ligne. Ah, elle est belle, hein. Ça va me changer, hein, c'est pas du tout le style de broderie que j'aurais choisi, mais elle a quelque chose. Je sais pas, je. Elle me plaît beaucoup, hein. Ouais, elle me plaît beaucoup. Si je m'étais pas foutu trois toiles sur le dos pour le sale du Nouvel An chinois, ouais, je l'aurais peut-être mis en route. Quoique le sale du Nouvel An chinois, j'en ai viré une, hein. Vous allez avoir une petite vidéo aussi que je vais faire aujourd'hui, mais que vous aurez dans la semaine. Parce que, ouais, non, la toile, là, par contre, l'autre, c'est une catastrophe. Hein. Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Je l'arrête pour le sale, mais je vous expliquerai ça dans la vidéo.
Mais non, celle-là, elle a l'air sympa. La femme est vraiment en gros plan, là. Elle devrait être bien. On aura peut-être un peu de flou, mais le dessin par lui-même, de toute façon, est flou. C'est pas une image super nette. C'est vraiment un dessin qui a été mis en flou. On a l'impression qu'il y a une chaleur énorme. Moi, ça me fait penser à ça. Le fait que tout ça, en fait, ce soit flou, ça fait un jaune là. Ouais, ça me fait penser au Brésil. Ouais, je ne sais pas, mais. Ouais, elle est très très belle. Je te remercie beaucoup, Pascal. Voilà. Bon, bah, je vais ranger la demoiselle. Je ne vais pas la remettre dans sa pochette. Je vais en prendre une tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Et bah ouais, Pascal, si tu veux, je pense que. Je pense qu'on peut, on peut se faire un petit truc pour l'automne. Elle a vraiment des couleurs d'automne. Hein. Donc c'est toi qui vois. Tu m'enverras un message. Tu me diras ce que tu en penses. Si tu l'as commencé et puis que tu as envie de la continuer. Ou si tu ne l'as pas commencé. Ou si tu l'as commencé et que tu l'arrêtes, parce que je sais que toi aussi, tu as pas mal de projets en cours, donc tu ne seras pas sans faire de point de croix. Voilà. Donc c'est toi qui vois ma cocotte, mais par contre, ouais, moi je la mets pas en route maintenant. Voilà, j'ai le tigre, j'ai ma carpe koi à faire pour le sale du Nouvel An chinois. Mais je pense que quand on sera en septembre, ces deux toiles-là seront très bien avancées. Je pense que même la carpe koi, ça se trouve, sera finie. Donc, tu me dis ça. Mais pour moi, celle-ci, elle débutera pour l'automne de cette année. Voilà. Le prix, je ne peux pas vous le dire. Je n'en sais rien. C'est un cadeau. Voilà. Elle est bien rangée. Ah, je sais ce que j'ai pas mis. Je vais pas oublier, hein, ça c'est sûr et certain. Mais je préfère le mettre. Alors, reçu le 9, 3, 24, cadeau de Pascal. Voilà. À faire pour l'automne. Zouf. Bon, bah écoutez. Sur ce, je vais faire ma petite vidéo pour donc le sale du Nouvel An chinois qui a un mois aujourd'hui. Voilà. Vous faire voir un petit peu donc l'abandon d'une toile et l'avancée des deux autres. Et puis, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà. Merci encore, Pascal. Bisous, bisous et à bientôt. Bye bye.